Salut, 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 Ivoiriens, Ivoiriennes. Soyez tous honorés, quels que soient vos différents bords. Que la paix de Dieu règne sur vous et que Dieu, dans sa miséricorde, vous protège, Ivoiriens, Ivoiriennes. Aussi, à tous les Africains, soyez honorés, soyez salués. Je profite aussi de cette vidéo pour saluer, je dirais, ma combattante ou encore mes combattantes. Je parlerai de Rosa Parks. Depuis ta position, sois saluée. Fleur d'Afrique, sois saluée. Maman Sanogo, depuis ta position, sois saluée. Tchala, oui, ça, Tchala, bon, de toute façon, je pense que tous les noms que je cite, ce sont des pseudos, hein. Donc, Tchala, sois saluée. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, sois saluée. J'ai aussi ma sœur de Toulouse. Et si tu suis ma vidéo, si tu regardes ma vidéo, tu sauras de qui il s'agit. Et je n'allais pas aussi oublier mon vieux père, comme on le dit, Joe Pistol, depuis les États-Unis, soit salué TG. Tu sais de qui je parle. Toi qui regardes ma vidéo, TG, sois honoré. J'allais aussi faire aussi un big up à, je dirais, c'est son nom qui m'échappe là. Oh, Songbi de Genève. Ouais, un de mes vieux pères encore. Soyez tous salués. Il y a Eric. En fait, je fais ces big up à, parce que c'est des personnes en fait qui me suivent. À chaque fois que je fais une vidéo, à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, c'est des gens qui me suivent. C'est vrai, au-delà de tout ce que j'ai cité, il y a plusieurs personnes aussi qui me suivent. Mais comme je ne peux pas aussi prendre le temps pour étaler le nom ou citer le nom de plusieurs personnes, je préfère m'arrêter là et le reste, pour ceux que j'ai pas dit leur nom, recevez mes big up. Vous qui suivez mes vidéos, à tout moment, quand je les poste, recevez mes big up. Bon, aujourd'hui, avant d'entrer dans le but du sujet, j'aimerais aussi que vous partagiez ma vidéo, que vous la partagiez et vous la likiez, c'est important. Et ceux, pour la première fois, qui me suivent à travers cette vidéo, s'il le faut, qu'ils s'abonnent. C'est important de s'abonner pour qu'ensemble on puisse échanger, ensemble on puisse cogiter sur les situations du pays. Moi, en fait, j'ai pour habitude de dire que je préfère plus m'entretenir sur les sujets qui concernent mon pays parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même et il faut dire aussi ce qu'on sait. Il ne faut pas dire ce qu'on ne sait pas. Ce n'est pas important. Il ne faut pas parler des sujets qu'on ne maîtrise pas. Donc, comme moi, je suis ivoirien, je préfère commencer ou encore parler des problèmes de mon pays. C'est important. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui, la première fois, me verront sur leur page, c'est le combattant Michel Zama, la voix de Lakota. Oui, la voix de Lakota parce que je suis un pur sang de Lakota, un produit fini, un produit qui est rentré dans le laboratoire et qui a été travaillé, qui est fini. Donc voilà, je suis le sang de Lakota. Je parle
au nom de la population de Lakota. Je ne suis pas aussi le seul venant de Lakota qui est sur cette toile, mais je parle aussi au nom de la population de Lakota, de mes parents. C'est important. Bon, sans plus tarder, on va plus ou moins rentrer dans le but du sujet. Aujourd'hui, c'est la mort de Arafat Didjé. Oui, la mort d'Arafat Didjé. Excusez-moi, dans les premiers moments, dans les premiers instants, quand Arafat Didjé a perdu la vie, j'ai fait une vidéo pour rendre hommage aussi à Arafat Didjé comme tout cyberactiviste. Mais je fais cette vidéo pour interpeller tout le monde, précisément les Ivoiriens, à commencer par le gouvernement ivoirien et tous les bienfaiteurs ivoiriens. Ça, c'est important. Je préfère plus parler des Ivoiriens parce que les Ivoiriens, oui, c'est eux que je connais plus. L'Ivoirien, c'est quelqu'un qui, en général, aime bien le « m'as-tu vu ?» C'est comme ça nous sommes. Ça, on ne peut pas se cacher, ce côté-là. Partout où on passe, il faut qu'on sache aussi que l'Ivoirien est passé là. C'est comme ça nous sommes. Plein d'Africains aussi sont pareils aussi. Mais nous, précisément, l'Ivoirien, dans l'ensemble, c'est le « m'as-tu vu ?» C'est vrai, Arafat Didjé a fait un accident et il est mort. C'est écœurant. Oui, écœurant. Quel que soit ce qu'une personne était sur cette terre, quand cette personne décède, vraiment, c'est écœurant, ça fait mal. Ça fait mal. Même un assassin qui décède, qu'on tue dans les rues, c'est vrai, pour ceux à qui il a causé du tort, peuvent applaudir sa mort. Je dis bien, peuvent applaudir sa mort. Mais cet assassin a aussi des parents. Ses parents vont regretter sa mort. C'est ce qui est tout à fait logique, quel que soit ce qu'il était. Donc, pour ne pas plus ou moins perdre le temps sur ce sujet, voilà Arafat Didjé qui est mort au coup d'un accident. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien s'imprègne totalement de la mort d'Arafat Didjé. Aujourd'hui même, on voit Didier Drogba qui est en train de cajoler les enfants de Didier Drogba. J'ai vu un poste où même le ministre de la culture, Bandama Debak, est imprégné. J'ai vu aussi un poste où le préfet de police d'Abidjan est en train de mettre toutes les dispositions en place pour quadriller tout Abidjan pour les funérailles de Didier Arafat. Les Ahmed Bakayoko, tout cela, j'en passe. Tout le monde aujourd'hui a la main dans la pâte pour pouvoir organiser des funérailles grandioses pour Arafat Didjé. C'est vrai, c'est bien beau. C'est bien beau parce que Arafat Didjé, c'est quelqu'un, paix à son âme, Didier, c'est quelqu'un vraiment à travers
ses œuvres, les Ivoiriens, il a propulsé plus ou moins le nom de l'Ivoirien et il a propulsé, si vous voulez encore, la culture ivoirienne, l'identité culturelle ivoirienne. Je suis d'accord. Autant il a fait, autant aussi Doux Saga aussi l'a fait. Les funérailles, il est important aussi d'organiser les funérailles à ce niveau-là d'une telle personne. Mais il faudrait pas aussi, à côté de ça, il faudrait pas aussi que on soit des médecins après la mort. Parce que j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, les funérailles de Didier Arafat deviennent un peu, si vous voulez, une façon de paraître. Ou aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, Didier Drogba aujourd'hui va chez Didier Arafat, il cajole les enfants de Arafat, il les prend dans ses mains, tout et tout. Bon, tout ça, c'est de l'argent qui sera déboursé. Quand le ministre de l'Intérieur, tout et tout, autant pour moi, le ministre de la Culture va aux funérailles de Didier Arafat et il se prononce, tout ça, c'est de l'argent qui sera décaissé. Le ministre de la Culture, c'est l'argent de l'État qui sera décaissé. Le président même, la Dramane Ouattara même, aura aussi la main dedans pour les funérailles de Didier Arafat, c'est l'argent qui sera décaissé. Et suffisamment. Bon, tout ça, c'est bien beau. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, il y a des artistes, parce que c'est vrai, Didier Arafat, mondialement, il était connu tout et tout. Mais Didier Arafat, la vie de Didier Arafat n'est pas mieux que la vie d'une personne telle que Guey-Vey, qui est aussi un artiste ivoirien, un artiste comédien ivoirien. Plein sont ceux qui sont aujourd'hui dans le cas de Guey-Vey, qui sont malades aujourd'hui, qui ont plus ou moins pressé, qui ont été sur des scènes internationales au nom de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui souffrent. Oui, qui souffrent aujourd'hui, qui font jour et nuit des SOS pour leur venir en aide, dont l'État est muet, le gouvernement est muet face au cas de ces différentes personnes, de ces différents artistes aujourd'hui qui meurent à petit feu. C'est de ça qu'il s'agit. Je parle du cas de Guey-Vey parce que Guey-Vey, c'est quelqu'un qui, en fait, n'est pas aussi vexé en parlant de son handicap qu'il vit aujourd'hui. Guey-Vey aujourd'hui est frappé par la tension artérielle au point même de se lever aujourd'hui. Au point même là, de se lever aujourd'hui dans son fauteuil. Il est assis dans un fauteuil aujourd'hui, un fauteuil médical. Il ne peut plus se lever aujourd'hui. Donc, quand je disais tout à l'heure, la vie de Arafat Didier n'est pas mieux que la vie de Guey-Vey qui est aujourd'hui vivant. Parce que même la Bible en parle. En Ecclésiaste, je crois, en Ecclésiaste 9, verset 10, il est dit que quand on est mort, on est mort. C'est quand on est vivant que la mort, on craint la mort. Mais quand on est mort. Il y a plus une autre vie physique qu'on va vivre ailleurs. Donc le mort, il ne craint plus ce que nous vivons sur la terre. Pour dire plus ou moins que nos gouvernants doivent beaucoup mettre l'accent
aussi sur ceux qui sont vivants et qui souffrent. C'est ça le vrai point. Aujourd'hui, on a des artistes en Côte d'Ivoire, des gens qui ont souffert, qui ont chanté, qui ont fait la comédie tout et tout. Aujourd'hui, plein sont ceux aujourd'hui qui sont dans le noir, qui meurent à petit feu. Et l'État, le gouvernement ivoirien ne s'en occupe pas. C'est ça le vrai point. Personne ne s'en occupe. Je ne sais pas si c'est d'autres politiques, mais le gouvernement n'allait pas aussi parler d'un problème politique vis-à-vis de ces personnes aujourd'hui qui souffrent, telles que Guy Vert. La vie de Guy Vert n'est pas mieux que la vie d'Arafat. La vie d'Arafat n'est pas mieux que la vie de Guy Vert. C'est de ça qu'il s'agit, parce que ces deux personnes-là, si ces deux personnes-là mouraient, tel que déjà Arafat est mort, son corps sera enseveli. Guy Vert aussi, son corps aussi sera enseveli. Les deux aussi, leurs corps seront décomposés dans les cercueils. C'est de ça qu'il s'agit, pour dire plus ou moins que quand on est homme, on est tous égaux. Le ver de terre, quand il meurt, c'est dans le sol, il rentre. Le poulet aussi, quand il meurt aussi, c'est dans le sol, il rentre. Autant pour nous aussi, nous les humains aussi, c'est dans le sol qu'on rentre. Donc la vie de quelqu'un n'est pas mieux que la vie de l'autre. Je le dis parce que aujourd'hui, il y a des artistes qui ont porté le drapeau de la nation au plus haut de certains sommets internationaux. Il y a des artistes qui ont chanté, qui ont fait la comédie, et j'en passe, plein sont ceux-là aujourd'hui qui sont en train de mourir à petit feu. Et face à leur situation, le gouvernement ivoirien ne s'en occupe pas. Ce n'est pas le Buruda qui dira le contraire. Le Buruda, j'entends par Buruda, le bureau ivoirien de droits d'auteur. Mais aujourd'hui, le Buruda est devenu, c'est-à-dire une structure qui pouvait permettre à ces gens de personnes qui meurent aujourd'hui dans le noir, une structure qui pouvait leur permettre de pouvoir trouver de quoi manger et avoir des médicaments. Cette structure aujourd'hui est devenue un business encore pour l'État, pour le gouvernement ivoirien. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que nous autres, on se plaigne? C'est vrai, moi, je ne suis pas un artiste, mais quand on voit la situation précaire dans laquelle aujourd'hui vit aujourd'hui ces artistes qui meurent à petit feu, bon, il y a de quoi quand même à se plaindre. Si on a appelé, si on dit qu'on est pays émergent, les gens comme les Guy Vert, c'est des gens qui ont émerveillé les Ivoiriens, qui nous ont émerveillés dans le domaine de la comédie. Donc un gars comme Guy Vert aujourd'hui ne devrait pas être dans un fauteuil roulant où il allait faire un SOS. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour revenir au Buruda, le Buruda, c'est le bureau ivoirien de droit d'auteur. C'est-à-dire, si tu es artiste et que tu as chanté, tu as fait des cassettes, si tu es comédien et que tu as fait des films tout et tout, c'est cette structure-là qui est chargée à te verser ton droit d'auteur. Ce qui pourra te permettre de vivre dans ta vie. Quand on dit on est pays émergent, c'est comme ça un artiste doit vivre. Un artiste doit vivre de son art. Mais aujourd'hui, le Buruda aujourd'hui est devenu une affaire, un business pour le gouvernement. Il faut bien qu'on en parle. Pour ce que je sais,
La directrice du bureau d'art aujourd'hui, elle s'appelle, je crois, une certaine Vira. Bon, comme je n'ai pas toutes les informations et je ne suis pas censé connaître tout, mais cette Vira-là, que quelqu'un me dise ici, quelles sont les œuvres théâtrales ou musicales ou artistiques, j'en passe, quelles sont les œuvres qu'elle a faite au nom de la nation ivoirienne, artistiquement parlant. Qu'est-ce qu'elle a fait pour les Ivoiriens pour qu'aujourd'hui, c'est elle qui soit la directrice du Burida? Valène Guédé a été directeur de Burida. On sait que Valène Guédé, il a été un musicien, un artiste musicien en Côte d'Ivoire. Mamie Oussou, Tanti Oussou, paix à son âme, elle a été aussi une artiste musicienne en Côte d'Ivoire. Gadji Séli. En dehors même là de la musique qu'il fait et du football, il a été aussi un artiste musicien et puis il est toujours artiste musicien. Si ces personnes, on les accusait de malversation, je pouvais plus ou moins aussi comprendre parce que c'est des gens qui ont été des artistes en Côte d'Ivoire. Mais Viera, elle sort d'où cette femme-là pour diriger le Burida? Aujourd'hui, elle est en parfaite collaboration avec le ministre de la Culture. Le ministre de la Culture qui devrait comprendre que ce poste appartient à un artiste. Ce même ministre-là aujourd'hui est de connivence avec cette dernière-là. Et les deux jouent avec les artistes. Les gens qui ont souffert dans les studios, les gens qui ont souffert avec les rôles sur des feux et tout, qui n'ont pas dormi, qui ne dorment pas, ces personnes aujourd'hui ne jouissent pas de la sueur de leur front. C'est ça qui est la vérité. Arafat Didier n'était pas le seul, n'est pas le seul artiste en Côte d'Ivoire. Il n'était pas aussi le seul artiste en Côte d'Ivoire. Donc, je ne parle pas parce que je suis contre les funérailles d'Arafat Didier. Je ne parle pas parce que je ne veux pas qu'on organise des funérailles grandioses d'Arafat Didier. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'après la mort d'Arafat Didier, ou encore avant la mort d'Arafat Didier, il faudrait que nos dirigeants comprennent que. Parce qu'Arafat Didier, lui, il est mort d'un accident. Oui, il est mort d'un accident. C'est déjà déplorable. Et vraiment, que Dieu, qu'il ait la paix, que Dieu le reçoive de ses côtés. Mais en dehors de la mort d'Arafat Didier, il y a des gens aujourd'hui, il y a des artistes jusqu'au jour d'aujourd'hui qui meurent de maladies, qui peuvent même pas même sacher, ne serait-ce que des paracétamol et ils meurent. Il y a des artistes aujourd'hui, ivoiriens, qui peuvent même pas même s'assurer même la pitance. C'est ça qui est la vérité. Et pour la mort d'Arafat Didier, chacun se lève, il tape la poitrine. Non, non, le préfet d'Abidjan, il quadrille, il est en train de se mettre des choses, la sécurité en place pour quadriller tout Abidjan, tout. Voilà. En fait, quand ça se passe comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Les autres, vous les rendez aux orphelins. Ceux qui ne sont pas encore morts, qu'est-ce que vous faites pour eux? J'aurais souhaité que ce bandamant débat, qui est le ministre de la Culture, trouve des moyens adéquats pour ne pas que certains artistes ivoiriens meurent aujourd'hui dans le noir. C'est de ça qu'il s'agit.
Arafat Didier, c'est quelqu'un mondialement, il a été connu. Et vraiment, il faut avouer qu'il s'est fait un peu de sous par rapport aux autres. Donc, il est bien d'organiser ses funérailles, je suis d'accord. Mais il faudrait aussi que vous qui êtes nos dirigeants, il faudrait aussi que vous pensiez, vous mettiez des moyens en place pour pouvoir sauver la vie de ceux qui ne sont pas encore morts. C'est ça qui est important. Un gars comme Didier Drogba, Arafat, il est mort. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai, tu vas l'enterrer comme tu peux, mais il y a des artistes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont en train de mourir, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi vivre. C'est à ces personnes-là que vous devrez, c'est sur ces personnes-là que vous devrez beaucoup mettre l'accent financier, les aider, pour ne pas qu'ils meurent, pour venir à leur funérailles demain. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les morts sont morts. Les morts sont morts. Les vivants sont encore là. Il faut leur venir en aide. Bandama Déba, ministre de la Culture. Il y a des artistes aujourd'hui ivoiriens qui meurent. Qui veulent, ils ne seraient se récupérer la, le burida pour pouvoir s'auto... pour pouvoir se prendre en charge, pour pouvoir s'auto-suffire. Le burida doit être dirigé par un artiste parce que c'est le bureau ivoirien des droits d'auteur. C'est de ça qu'il s'agit. Ahmed Bakayoko, il y a des artistes aujourd'hui qui meurent. Vous n'allez pas me dire que c'est parce que Gay Vert a chanté à, pendant en 2010 à la campagne, en faveur de la campagne de Gbagbo Laurent, que Gay Vert ne voulait pas le soigner. Gay Vert souffre toujours. Soignez-le. C'est un artiste ivoirien, un artiste comédien ivoirien. Les artistes souffrent. Souffle-les enterrer à la fagouille, c'est bien beau. Mais il y a des gens qui souffrent. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, c'était plus ou moins vous interpeller. Vous, les donateurs, les gens de comment on appelle là, qui ont la main facile. En dehors du gouvernement, vous qui faites ça, vous les artistes, tout et tout, aidez aussi les artistes ivoiriens qui ne sont pas encore morts. C'est important. Aider aussi les artistes ivoiriens qui souffrent. Parce que quand on est mort, on est mort. Sur ce, je vous laisse passer une bonne soirée. C'était votre camarade, votre ami combattant Michel Zama de la Voix de Lakota. Soyez honorés et que demain soit meilleur pour nous. Merci.